Vous allez entrer à vos risques et périls dans un lieu étrange où tout peut arriver. Vous y verrez des choses que nul n'a jamais vues. Hey, coucou tout le monde. En fait, la vidéo qui va suivre, il manque une partie que je suis en train de vous faire tout de suite après terme. La vidéo est déjà finie, que je rattrape la chose en vous expliquant donc que pour le concours de Payday 2 édition criminelle qui m'a été proposé par mon partenariat et ami planetpixel.fr, que le gagnant est Thibaut D. Donc je sais pas si je peux prononcer son nom de famille, mais Thibaut Delegue, si éventuellement tu as un problème, tu viens me le dire en face, et contacte-moi par Skype, tout simplement, ça sera plus simple, plus rapide, ou par message privé, ou ce que tu veux, le plus rapidement possible, et je t'envoie ta clé, voilà, tout simplement. Donc la clé de Payday 2 édition criminelle a été gagnée par Thibaut Delegue. Sur ce, je vous abandonne, je vous laisse la vidéo qui va suivre, ciao. Hello tout le monde, c'est Mr. Pingouz, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ du mois de septembre, la numéro 2 sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une trentaine de questions, même 31 si je ne me trompe pas, postées donc sur le site AskFM, sur mon compte, qui sera lié dans la description pour la FAQ du mois suivant, donc du mois d'octobre. Donc tous les mois, une FAQ prévue, tous les mois, un concours prévu lors de cette FAQ. Bien sûr, il me faut des questions, donc si j'ai pas les questions, je vais pas faire de FAQ concours. Donc envoyez-moi des questions sur ask.fm, voilà. On va commencer tout simplement, pour moi en tout cas non, étant donné que la première question qui m'est posée, c'est quel est ton PC. Donc mon PC, il est vraiment assez récent, je l'ai eu il y a 2-3 mois peut-être. La config, je vous la mettrai en description, voilà. Donc, j'ai pas pu citer ton nom vu que tu n'as pas mis ton nom. Et donc, la question, quel est ton PC? Je répondrai ça dans la description sur un lien qui te redirigera ou qui vous redirigera, étant donné que vous êtes peut-être plusieurs à vouloir savoir quel PC j'utilise, pour étant donné faire tourner les jeux que je fais tourner en ultra et autres, en sachant que tous les jeux que j'ai, je les fais tourner qualité maximum. Et j'ai aucun problème même sur du BF, ou j'ai aucun problème même sur les futurs jeux à venir. Aimes-tu le film d'animation Happy Feet? La question a été posée par Percy Haas. Étant donné que je dois l'avoir vu, je ne me rappelle plus. Donc en théorie, j'ai dû l'aimer, mais je ne me rappelle plus du tout. Franchement, je vois tellement de films, et principalement, je suis beaucoup plus série. Certes, le dernier film de Penguin que je crois avoir vu, c'est avec Jim Carrey, le nom je n'aurais pu vous dire. Monsieur Poppins, c'est Penguin, une connerie comme ça. Une connerie comme ça, et voilà, donc c'est le dernier film que j'aurais pu voir éventuellement avec des pingouins. Une autre question posée toujours par la même personne, c'est toi qui t'occupes, donc la question n'est pas posée comme ça, mais je la traduis en français. C'est toi qui t'occupes du site kinguin.fr. Non, pas du tout, en fait, je les ai contactés parce que je sais qu'ils proposent des partenariats pour les chaînes YouTube avec certaines conditions. J'ai pu faire partie des conditions, maintenant ils font partie de mes partenariats. Donc éventuellement, si vous recherchez des jeux PC à prix moins cher, j'ai un lien dans mes vidéos et un lien sur ma chaîne qui vous proposera d'acheter les jeux à beaucoup moins cher que le prix de Steam. Et je crois même que c'est le moins cher que niveau 7, etc. Donc je vous le conseille, passez par ce petit lien, vous verrez que vous pourrez sûrement trouver votre bonheur. Aimes-tu la série Walking Dead ou tout simplement quelle série suis-tu le plus? Donc toujours Percy. Je te remercie d'avoir posé quand même pas mal de questions, ça me fait plaisir à ceux qui me posent quand même pas mal de questions. Et pour répondre à ta question, oui je suis Walking Dead, étant donné qu'actuellement je suis à la fin de la saison 2, je n'ai pas regardé la saison 3. Avec ma copine, on attend vraiment que les épisodes suivants arrivent. J'ai attaqué un peu la saison 3 en VOSTFR, je les ai pas tous vus, je suis à l'endroit où, non je vais pas spoiler les gens, mais le principe est que oui je suis Walking Dead, et quelle série je suis le plus, j'ai envie de vous dire, j'ai vachement suivi Dr House, mais je les ai séchés, là je suis Supernatural, je suis Arrow, du moins tiré de Green Arrow, le comics ou le Marvel. Alors là franchement je vais peut-être me prendre des coups par vous, mais oui je ne sais pas si c'est un comics ou un Marvel, mais Green Arrow, du moins Arrow la série. Je suis Supernatural, d'où mon intro est un peu tiré de là. Je suis quoi d'autre? Oh I Met Your Mother, la dernière saison, étant donné que dans la saison qui la dernière que j'ai vue, je ne saurais plus c'est laquelle, je crois que c'est la 8, on découvre enfin qui est la mère des enfants, bref. Donc en théorie, c'est la dernière saison.
American Horror Story. Pour être chiant et pour en parler tout le temps, American Horror Story. J'ai vu la première saison qui est pas mal. J'ai vu la seconde qui est complètement épique à mes yeux. T'es pas obligé de regarder la saison 1 pour t'attaquer à la saison 2, étant donné que c'est aucune su suite logique, juste les mêmes acteurs dans une histoire différente. Attaquez directement la saison 2 si vous cherchez une série, donc American Horror Story. C'est le mot horror, il ne fait pas spécialement peur, c'est plus du dramatique et t'as la sensation de. Quand tu regardes ça et tu te mets à la place des acteurs, tu te dis, ben, tu te sens violé dans l'âme, tu vois, tu peux pas repartir serein, tranquille. Et puis, bien sûr, la petite chanson qui passe en boucle que je ne vais pas refaire, vu que je l'ai mis dans la FAQ numéro 1, ou que j'ai même dansé dessus dans la FAQ. Je vous conseille de regarder cette série et même écouter la chanson qui s'appelle Dominique, American Horror Story Asylum. Donc voilà, donc pour la saison 2, American Horror Story Asylum. Une autre question d'une personne anonyme. Tu es papa, oui. Si oui, tu le vis comment à ton âge et avec YouTube? Alors, c'est très aléatoire. Étant donné que YouTube, ça peut durer longtemps comme pas longtemps, le but principal est que ça dure le plus longtemps possible, bien sûr, pour moi. Donc pour répondre à la question, oui, je suis papa. Comment le vis-tu à ton âge? Bah écoute, à mon âge, ça va quand même. C'est bien entré dans l'histoire, étant donné que ma fille la plus grande, elle a 5 ans. Donc c'est pour te dire que j'ai pris quand même conscience que j'ai des enfants. J'en ai deux, j'ai deux filles, bref. On va pas s'attarder, hein, on va les cacher. On va les cacher, mais bref. Sur le principe. Donc je le vis bien. C'est vraiment quelque chose de. J'ai eu assez jeune, à 21 ans. Ouais, 20, 21 ans. Ouais, 21 ans. Le gars qui réfléchit, quoi. Je sais son âge, mais je sais plus à quel âge. Non, si, si, c'est à 21 ans. Donc je les ai eu, la plus grande, je l'ai eu à 21 ans. La seconde, je l'ai eu à 22 ans, vu qu'il y a un an d'écart. Et franchement, ça te change ta vie, mais c'est quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est quelque chose qui est. On va dire que c'est beau et tout. C'est vrai, ouais, franchement, ça te change. Ça te change. Ça te fait mûrir d'un coup. Après, si tu prends conscience de toute chose. Moi, ça m'a fait mûrir, on va dire, d'un coup. Et c'est quelque chose de superbe, j'ai envie de dire. Et comment vis-tu avec YouTube? Bah, avec YouTube, c'est assez difficile, étant donné que. Bah, pendant les vacances qui étaient près, les vacances du mois d'été, c'est assez difficile, étant donné que les enfants à la maison, le travail, la femme, on va pas se poser à faire une vidéo. Là, vous voyez, chez moi, il y a. Personne. L'année scolaire vient de reprendre. Nous sommes le 5 septembre quand je vous attaque la vidéo. Donc voilà, ça se passe super. Quand c'est la période scolaire, je peux faire pas mal de vidéos. Sinon, le reste, c'est des enregistrements que j'essaye de faire à la chaîne le soir. C'est très aléatoire. On s'adapte pas face à YouTube, bien sûr, c'est que matériel. On s'adapte face aux enfants et aux personnes qui nous entourent. Aimes-tu regarder des films d'horreur? Oui. J'adore, et actuellement j'en ai pas vu depuis longtemps. Le dernier que j'ai vu en date, c'est le dernier Evil Dead, que j'ai trouvé pas mal. Est-ce que tu aimes le poulet tandoori? Je kiffe. Je kiffe le poulet, tout simplement. Donc je sais c'est qui a posé cette question, Julien, je sais que c'est toi. Et oui, même toi, je sais que tu aimes le poulet. Feras-tu des vidéos, défis, un genre, donc un jour, avec les yeux bandés? Quelle pourrait être une vidéo défi sur un jeu? Avec les yeux bandés. Comment tu peux jouer un jeu les yeux bandés? Éventuellement Guitar Hero, mais après, aucune idée. Je peux pas répondre à ta question. Oui, non, j'en sais rien du tout. Mais ça va être que je fasse des défis. On va dire, c'est se rendre ridicule pour rien, étant donné que je me rends assez ridicule pour rien. Je vais pas en rajouter une couche. Hein. As-tu environ combien de jeux au total? Alors, actuellement, je dois en avoir 280 sur Steam en l'espace de peu de temps, même si j'ai un compte qui date de 7 ans. Je suis joueur PC depuis vraiment 2 à 3 mois. Sur Xbox, je dois en avoir une petite vingtaine. Je sais pas. J'ai beaucoup de jeux indépendants, donc je ne compte plus ça. Étant donné que la Xbox, j'y touche pas, là, je vais y retoucher juste pour GTA. Prochaine question de Carlier Léo. Penses-tu faire des vidéos sur. Dans. Waouh, c'était dur, je la traduis. Penses-tu faire des vidéos de jeux What the fuck en facecam? Alors, je crois que j'en ai fait. Je crois pas, je sais plus. Et c'est prévu, les facecam, quand j'ai la possibilité, je vous les fais. Quand j'ai une tête bien de con, je vous les fais. voilà. Ça peut venir. Ça peut être que possible. Je vais jamais dire non pour quelque chose que je sais pas si je vais faire par contre demain, mais c'est sûr, il y en aura.
Mais je peux pas vous dire quand, étant donné que je me base pas non plus sur un planning, étant donné qu'actuellement le seul planning que j'ai, ça serait quelques vidéos de Saints Row avec Squid le soir quand on est tranquille, chacun de nous de notre côté, que c'est possible. Quelques vidéos du Lost Planet quand j'aurai la possibilité, mais là c'est vraiment encore très aléatoire, comme j'ai dit pour celui-là. Même si j'ai aucune vue, c'est juste pour le plaisir de moi faire une vidéo dessus, déjà principalement jouer, et après je les posterai sur le net. Outlast, Amnesia, Paranormal, éventuellement pas mal de petits jeux d'horreur, pas mal de jeux What the Fuck, pas mal de concours cachés, comme d'hab, donc je ne peux pas te dire quand, j'ai pas de planning, voilà. Aimes-tu la salade verte avec une bonne vinaigrette à l'ancienne? Et éventuellement, la vinaigrette à l'ancienne. Putain, ma grand-mère, ouais, ça date de très vieux parce que pff, ça fait des années que je l'ai pas vue, je peux plus la sentir, on va dire. Elle faisait un truc, c'était à la noix ou à la sauce, je sais plus c'était quoi, l'huile de noix ou l'huile de noisette. Et c'était trop trop bon, bref. C'était une bonne salade à l'époque. Donc ça rappelle des souvenirs, pouh, qui datent. Si tu devais choisir par quoi tu vas mourir, que choisirais-tu? Étant donné qu'il n'y a aucune bonne façon de mourir, tout simplement, donc je ne peux pas choisir. La noyer, ça doit être hardcore, brûler, ça doit être hardcore. Étouffer, comme tous les cons, tout le monde a essayé de faire. Ah! Et au bout d'un moment, on sent qu'il y a besoin de respirer quand même. Bon, ça va pas être forcément très bien. Noyer, brûler, ça doit être les pires. Après, j'ai quelque chose en tête, mais je peux pas vous en parler, c'est trop gore. Et c'est pas vis-à-vis de moi ou de mourir, mais sur une vision des choses vis-à-vis d'accidents de voiture ou autre. Mais je peux pas le dire, c'est trop gore. Je suis une personne assez gore. Comme quelques personnes, style la prochaine question qui va m'être posée par NerdZFR, il sait lui-même que je suis gore. Vas-tu acheter Watch Dogs? Probablement. Le mec qui peut pas répondre à la question en étant sûr et certain. Non, je ne sais pas du tout. Que fais-tu à part jouer aux jeux vidéo pendant ton temps libre? Je m'occupe de mes enfants. Je fais quoi? Je fais rien. Je me pose rarement devant la télé. Je regarde beaucoup de séries. Comme actuellement, là, je regarde Arrow. Supernatural aussi, qui commence à arriver au compte-goutte un épisode par semaine, bref. Je regarde des séries, je navigue un peu sur le net, je regarde un peu les jeux. Je prends beaucoup, beaucoup de temps à parler sur Skype, Steam, même trop, je pense. Steam, messages YouTube, je réponds assez souvent aux personnes. Par contre, si c'est des messages genre je participe ou des trucs vraiment tout con, je ne vais pas répondre aux mecs sur les vidéos. Donc, étonnez-vous pas si vous n'avez pas de réponse pour je participe. Que utilises-tu comme marque de micro? Un Blue Yeti comme 75% des youtubeurs. Même si c'est le second que j'ai eu, étant donné que j'avais une seconde chaîne avant, j'ai tout revendu, j'ai tout racheté. C'est mon deuxième Blue Yeti. As-tu de grands projets pour ta chaîne? Oui. Outlast, le finir. Personnellement, émotionnellement, c'est un projet quand même. C'est un bon projet. Finir un let's play, ça serait un bon projet. Jouer au niveau des vidéos, ça sera ça. Un gros projet que j'avais eu, c'était avoir 1000 abonnés, je les ai eu, je suis heureux. On va dire un projet, je sais plus c'est quel grand homme qui a dit il faut avoir un but dans la vie vraiment impossible à avoir, histoire de se donner la détermination de l'acquérir. Alors si je vais dans ce but, je me dirais 10 000 abonnés. Ça fait quand même beaucoup. Pour d'autres, ça ferait pas beaucoup, mais je trouve quand même c'est assez énorme. Arrivé là, je crois que. Je ne saurais pas vous dire, mais ça serait vraiment épique. Et voilà, un gros projet que j'aimerais, ça serait 10 000 abonnés. Mais ça peut tenir que à vous. Si vous voulez bien plus de concours cachés ou de concours, ça tient que à vous. Ça se passe déjà via poser des questions sur Ask, faire tourner ma chaîne, en parler autour de vous. Moi, je fais mes vidéos. Si vous, après, je ne vais pas vous dire de faire tourner quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, tout simplement. Mais écoutez, éventuellement, ça se base comme ça sur le net. Je ne vais pas aller démarcher auprès de Monsieur Levé12, lui proposer une vidéo pour ses 100 millions d'abonnés, hein, lui faire, ouais, vas-y, tu peux me faire de la promotion. Non, je ne suis pas comme ça auprès d'autres grands. Je préfère jouer avec des gens, même jouer avec vous. J'ai déjà fait des parties avec vous. Pas forcément avec tous. Mais ajoutez-moi sur Steam, mon pseudo est le même que mon pseudo, le même que je dis en début de vidéo, c'est Mr. Pingouz. Quel est ton but sur YouTube et que représente YouTube pour toi? Ben, j'ai un petit peu répondu ça à la précédente question, mais ça représente quoi pour moi? Un passe-temps, un amusement, un délire et un kiff. Voilà, un kiff. Franchement, c'est un petit kiff que je me suis fait. J'ai eu la chance d'avoir un kiff qui a pu évoluer.
Parce qu'on va dire, il y en a beaucoup qui se lancent et au bout de 3 semaines, ils font, ah, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de machin. Il ne faut pas partir dans cette optique, mais c'est toujours un plus. Et moi, j'ai eu l'avantage, bah, pas dire l'avantage, mais la chance d'avoir eu la possibilité d'avoir ces quelques personnes qui viennent commenter. J'ai eu des vidéos zéro commenté, encore des récentes, mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour m'amuser. Donc, franchement, c'est énorme quand tu as des retours. C'est vraiment énorme. Penses-tu arriver un jour à un grand stade? Stade foot. Non, un grand stade, je ne sais pas si je pense y arriver, mais j'aimerais, comme j'ai dit, au maximum 10 000 abonnés. Je pense que là, j'aurais réussi éventuellement, pas ce que j'atteins, mais un but vraiment très très haut que j'atteins, ça serait 10 000 abonnés. Arriver là, bah, je suis posé, mais tout ce que je fais, c'est plus pour vous que pour moi. Je sais pas comment expliquer ça. Le principe que là, tout ce que je fais, c'est pour moi et je vous le fais partager. Mais après, par la suite, je ferai beaucoup plus pour vous, pour vous faire plaisir, pour même toujours en gardant ce délire, ce kiff. Et voilà, c'est vraiment un truc qui peut faire que plaisir. Quand tu vois que tu as atteint ton but, ben, tu essaies de leur en donner encore plus que eux ce qu'ils t'apportent. Voilà, c'est le principe. Donc, j'ai peut-être mal expliqué sur le début, étant donné que, comme beaucoup le savent, savent, bref, je n'ai pas un français très bien à se parler. Oui, je ne parle pas très bien le français. As-tu un sport préféré? Football américain, NFL? Quelle est ta marque de ton micro répondu? Quel est ton logiciel de montage? Sony Vegas Pro 11. Quel est ton logiciel de montage? Sony Vegas Pro 11. Connais-tu d'autres pingouins? Exemple, Penguin or Batman. Et un autre que je ne sais pas son nom. Oui, j'en connais d'autres. Pingu, tout simplement. Je connais. Je ne sais plus. Mais je les avais il n'y a pas longtemps quand j'avais vu cette question, mais oui, j'en connais d'autres. Petite question, c'est quoi ton style de musique perso? Moi, c'est le rock, metal. Andy Thionville, James Adams. Du moins, James Adam. Parce que la dernière fois, j'ai dit son pseudo pas comme il faut. Alors, mon style de musique, j'écoute de tout. À vrai dire, j'écoute beaucoup de. On va dire principalement comme radio, j'écoute Skyrock, j'écoute Energy, mais principalement pour les animateurs. Quand je bosse le soir, j'écoute la radio d'une oreillette et tranquille. Voilà. Donc, principalement, si je pourrais dire mon style de musique, ça serait du rap US. Rap français, bof. Ça passe, mais pas tout. Orelsan, ça peut passer. Un 995, certaines peuvent passer. Mais ça serait plus style Eminem. Par contre, quand je vois qu'il a fait la promo de Ghost. Mais la musique est bonne. Voilà. Es-tu un vrai pingouin? Devine mon pseudo. Je ne sais pas ton pseudo. Parce que cette question peut m'être posée par 1 200 personnes, à peu près. Non, je ne pense pas être un vrai, même si j'adore. Je sais pas si vous avez vu. J'ai un portable pingouin. De fibre. On bat les couilles. Feras-tu des vidéos avec tes abonnés? Oui, c'est prévu, mais à chaque fois, il n'y a personne. What the fuck? Feras-tu un let's play coop sur Cry of Fear? C'est pas vrai. Du solo, le coop, on dirait plus du multi que de la coop. C'est assez spécial Cry of Fear, et vu ce qui sort actuellement, Cry of Fear, il est un peu mis à la trappe. J'ai une question, t'aimes les pingouins? Oui. Pourquoi tu t'appelles partout Mr. Pingus? Alors MRPINGUZZ, et ton pseudo YouTube est MRPinrox. Alors Pinrox, c'est un mélange de mon pseudo, donc MRPIN pour Monsieur Pingouze, et ROX, c'était pour le pseudo de la personne avec qui je devais faire ma chaîne. Le premier abonné, donc des fois j'ai des mecs qui disent, ouais, je suis ton premier abonné. Non, le premier abonné, c'est Maxou. Il saura se reconnaître s'il voit cette vidéo. Donc son pseudo via ma ch sur cette chaîne était PixRox, pour le principe que dire que les pixels, ça rocks. À l'origine, on devait faire une chaîne sur Minecraft. Suite à un petit désaccord, on a préféré, du moins j'ai préféré, faire la chaîne tout seul, lui faire la sienne. Puis vu les problèmes qu'il a eu entre-temps, il n'a pas de PC depuis un bon moment. La chaîne m'appartient, je suis seul sur la chaîne. Éventuellement, s'il refait une chaîne, j'irai le voir, l'aider ou autre. Et voilà pourquoi MR Pinrox, un mix des deux pseudos, un peu à la Vegeta, avec son pote. Après, je ne saurais plus vous dire dans la Dragon Ball Z, ça date de très vieux. Ouais. Je peux répondre pas mieux. Étant donné que j'ai pas pu recréer une chaîne qui s'appelle MR Pingus, étant donné que j'avais déjà une chaîne avant qui a été supprimée, ben le pseudo a. Garde, du moins YouTube a toujours une trace du pseudo et il n'a plus de possibilité de reprendre ce pseudo. Ensuite, on va aller voir les autres questions qui m'ont été posées, mais que j'ai répondu par contre. Donc qui sont sur mon profil.
Est-ce que je peux dire quelque chose de négatif concernant tes vidéos? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. J'adore tout ce qui est constructif, ce qui permet de s'améliorer par la suite. Bref, tout le monde le répète, mais c'est complètement vrai. Quand aura lieu le concours? Alors, le concours, il n'y a pas le concours, ça serait plutôt les. Mais c'est à chaque FAQ, je répondrai à vos questions lors de concours cachés. Non. En fait, ma question que j'ai donnée n'était pas très logique parce que j'ai pas mis de virgule, par exemple. Donc, en fait, à chaque FAQ, je propose un concours et je répondrai à vos questions. Donc, une FAQ, vous me posez des questions sur ask.fr, FM, et je vous y répondrai. Et après, je fais des concours cachés. Par exemple, une vidéo qui s'appelle No Time to Explain sur ma chaîne. Si vous la regardez en entier, vous allez comprendre que je pose des questions et si vous m'y répondez, je vous propose de gagner la clé du jeu. Voilà, j'ai fait ça sur divers jeux. Je marque pas concours dans le titre. J'ai pas envie de ramener tout le monde qui vienne que pour des concours, que pour des concours. Voilà, je préfère faire des petits concours cachés. Au moins, je sais que les personnes qui visionnent la vidéo, ben, repartiront éventuellement s'ils ont les bonnes réponses avec la clé. Et ils ne sont pas venus là dans le but de gagner, mais dans le but de regarder une vidéo, peut-être fun ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas. Vudum-tum. Le Marcy pue l'ami, quoi. Pue l'ami, ouais, il pue l'ami. Ça fait caca comment un pingouin? C'est Mego qui me pose cette question. Et franchement, tu les as déjà vus descendre en bas d'une piste de pingouins. Et hop, ils sautent dans l'eau. Et eh ben, dès qu'ils sautent, ils font un petit caca et ça fait plouf. C'est un concours comme le curling, où en fait ils font glisser le palet. Ben là, c'est le pingouin qui glisse, il saute, il pète, il fait son petit caca et ça va le plus loin possible. Normalement, ça doit faire un. Plus tu fais de ricochets, plus t'es le boss des pingouins. Dis-moi, tu as toujours le même Skype? Oui, MR Pingueuse. Habites-tu Clermont comme moi? Oui, comme toi. On peut t'ajouter sur Xbox? Oui. Mr. Pingouz. Pareil, même pseudo partout, à part le pseudo de ma chaîne. Elle sera pour quand ta prochaine vidéo? Actuellement, je viens de poster une vidéo. Mais bon, on est le 5, donc je viens de vous poster Outlast. Et exactement, je ne peux pas vous dire à la seconde près quand je pose une vidéo. J'essaie de faire ça le plus souvent possible, mais quand c'est trop souvent, j'ai pas assez de personnes qui me suivent pour que ça soit pas rentable. Mais si j'en poste une qui est bien et que j'en poste une de Saints Row, une de Saints Row, une de Saints Row. Celle qui sera bien, elle sera un petit peu passée inaperçue à cause de Saints Row, par exemple. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire de l'un peu de breakdance. Non, enfin, j'ai de la merde. J'essaie de voir ça comment je fais. Pourrais-tu faire un playthrough, walkthrough ou un let's play? Mais actuellement, il y a Lost Planet, Outlast, Saints Row sur ma chaîne. Et si je me trompe pas, ça se peut qu'il y en ait d'autres par la suite. Une personne qui me dit coucou. Je réponds coucou, toi. Est-ce que tu nous feras un playthrough de Splinter Cell Blacklist? Actuellement, non. J'ai un pote qui le fait. J'ai trop de potes qui le font. Moi, je fais du coop tranquille, posé avec mon ami Razor. Voilà. Donc, non. Et à savoir, un truc qui est pas cool. J'ai Splinter Cell Blacklist. J'ai toujours pas touché au solo. Et je ne pense même pas y toucher. Bah, c'était sur les questions que je viens de vous répondre. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Posez-moi d'autres questions pour les mois à venir, les jours à venir. Le truc que maintenant que je vais vous parler, c'est faut que j'aille chercher mon dossier secret de mon ordinateur qui parle du jeu qui a été le plus demandé sur ma chaîne le mois dernier. Du moins, le un mois et demi dernier, quoi. Tu me comprends, toi-même, tu sais que je parle pas le français. Le jeu le plus demandé sur ma chaîne lors de concours a été Natural Selection 2. Je vous avais proposé que deux clés et je sais que j'ai beaucoup de joueurs PC sur ma chaîne. Et Natural Selection 2 était en promotion sur Steam et était pas trop cher. Ça se peut que beaucoup l'ont pas vu à cause des vacances, de la rentrée. En plus, c'est une grosse mise à jour, un truc complètement épique, complètement gratuite avec des DLC et tout. Le jeu est payant, une vingtaine d'euros. Là, je vous propose d'en gagner une dizaine de copies. Attendez, je compte les copies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'ai 10 copies pour vous, à vous faire gagner pour Natural Selection 2. Ça vous intéresse? Ça vaut peut-être 20 euros le jeu. On va se baser sur une base de. Je crois que c'est 23, bref, on s'en bat les couilles. C'est 20 euros. Là, ça fait 200 euros que je vous fais gagner. Mais moi, c'est rien. C'est des clés que je vous donne. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour de l'argent ou autre. C'est combien tu touches? On m'a posé aussi des questions. Combien je touche sur YouTube? Je touche Kochi. Mais je vous donne. Moi, je l'ai, Natural Selection. J'en ai passé à des potes. Mais quand j'en ai rien à faire, les autres clés, eh ben, je les donne à vous au mieux de partir faire n'importe quoi.
Et ouais, je pourrais une boutique sinon, mais rien à foutre. Allez, bah sur ce, je vous fais gagner 10 clés de Natural Selection 2 sur Steam, bien sûr. La réponse est simple, il faut mettre dans les commentaires un message qui stipule quelle est ma coque de portable. Éventuellement, je pense que vous la voyez. Je vais partir voir mon logiciel de capture vidéo. Voilà, c'est quoi comme animal sur la coque de mon portable? Et qu'est-ce que c'est que je tiens dans la main? Voilà, deux questions comme un PD. Bon, je ne vous demande pas la marque, je vous demande juste c'est quoi. Vous allez le voir en image. C'est pas une chicha. Bon, j'ai pas fait beaucoup de fumée, j'ai plus beaucoup de batterie et beaucoup de liquide. Et une troisième question. Non, deux, ça ira. Deux, ça ira. Pourquoi je garde ça? Parce que je sors d'une vidéo, tout simplement. Bien sur ce, les amis, je vous abandonne, je ramasse un petit peu tout ça. Ouais, mais c'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Et bien sur ce, je vous abandonne, j'ai une tête de con, mais un truc de fou. Et je vous le conçois, vous pouvez me le dire. Et à savoir, une petite annonce, que franchement, il n'y a que toi qui le sais, parce que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, et les autres aussi. À partir de fin octobre, si je reviens début novembre, ce sera avec une grosse, grosse, grosse nouveauté. Et je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus. Mais vraiment, pour moi, personnellement, c'est un bon truc pour vous. Pour vous, peut-être pas. Et un bon gros truc. Allez, sur ce, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Répondez à la question, tout simplement. Du moins, répondez aux deux questions. Qu'est-ce que c'est ce que ça comme animal? Et qu'est-ce que c'est que ça comme pas un animal? C'est une électronique. Bref, ça fait ça. Y a pas beaucoup de fumée, bref, ouais, je changeais tout de suite avant de partir à l'école. Il y a de la nicotine et c'est électronique, bref, c'est la mode depuis quelques années. Et par contre, ce qui est pas cool, c'est que des gamins qui vont se prendre des claques, ils se mettent à ça. Sur ce, je vous abandonne. C'était Mister Pingu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.